Yo! Vu que moi j'ai eu vraiment beaucoup d'argent, je suis quand même assez riche, je me suis acheté un lit pour faire mon décor. Bon, là on peut sentir un certain relâchement sur ma chaîne. Ma dernière vidéo date d'exactement 2 semaines. Ouais, il y a un certain relâchement effectivement. Là j'aimerais juste ça mettre de quoi au clair. En fait, ma dernière vidéo là, c'était avec Laurie là. Y a-t-il un problème genre? Parce que en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que là je regarde ça vite fait sur mon téléphone. Et puis ben, il y a 150 likes. Genre, honnêtement, j'ai jamais eu ça dans ma vie. Je veux juste simplement dire, je comprends pas. Si jamais il y a quelqu'un ici qui a une explication genre scientifique, j'aimerais vraiment ça le savoir. En fait, l'audio, je faisais un petit ménage dans mes affaires et puis j'ai retrouvé ça. J'en fais avoir une petite image là, sur la vidéo là. J'aimerais ça en fait qu'on m'explique un peu. Je me souviens, je l'avais collé dans ma porte. Fait que ouais, je me demande, il y a genre un monsieur sur une genre de shit avec des genres de kiwis mais pas mûrs. Le gars il est genre sur une banane mais genre pas ses dates, ça fait des années. J'ai aussi reçu mon album définissant. Ça c'est mon album définissant. Finissant 2017. Fait que quand on regarde ça comme ça, on est comme ah ouais, ça a l'air pas pire ça. Quand tu rouvres la première page, ça reste une photo de notre coop. Mais là, c'est quand tu commences à lire un peu, genre ce qui est marqué, là tu tripes moins. Là, c'est que là, t'es comme, ouais, ça fait dur. En fait, qu'est-ce qui fait dur, c'est les. Il y a des erreurs de frappe, dans le fond, des erreurs de clavier, là. Mais comme, tu sais, c'est des erreurs vraiment qu'on voit directement. Là. En fait, je vais faire une vidéo seulement pour l'album. Genre une vidéo, là, ça va être une genre de critique sur l'album. Même si l'album, je le trouve quand même bien. À part quelques trucs qui font que ça rend vraiment l'album très très mauvais. C'est marqué, c'est un message de notre directeur. Et puis en fait, le message a été retranscrit par le comité du bal. Votre sens des responsabilités. Puis responsabilité, il y a un espace, genre, il y a un espace pas à pas qui... Ces derniers temps aussi, j'ai pu avoir la chance de passer dans une des... Oh mon dieu, ça gosse. Une des vidéos d'Amitien. Amitien, si vous le connaissez pas, c'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Puis j'ai eu la chance de passer dedans. En fait, qu'est-ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait envoyé un message sur Twitter. Il avait dit, oh ben, je vais faire une FAQ. Puis envoyez-moi des vidéos de vous qui posent une question. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ben, il me choisit. Est-ce que t'aimes l'accent québécois? Je pense pas que ce soit le moment de s'énerver. Ce sera tout pour moi. C'était pas ouf comme imitation. J'adore l'accent québécois. J'adore. J'adore les Québécois. Vous êtes beaucoup trop sympa. Quand je viens à Montréal, je suis venu 2 fois. C'était génial. Salut.